Messieurs, je vous demande votre attention. Si nous sommes ici ce soir, c'est qu'il y a une bonne raison. Je ne viens pas vendre du rêve, mais de l'autosatisfaction pour les pays riches épanouis. Voilà, piste de solution. Briller comme une étoile en suivant le fil de ses idées. L'important, c'est de monter plus haut. Ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par payer. L'important, c'est de trouver là-haut. La mission est d'avancer coûte que coûte. Oui, coûte que coûte. Toujours penser à viser plus haut. Dans les moments difficiles, éloigner les doutes et poursuivre sa route en évitant les pêches de l'ego. Est-ce que vous vous souvenez de ces rencontres qui ont changé votre vie ? Pour nous, ce sont nos instruments de musique complètement différents qui nous ont fait nous rencontrer. Nous sommes un soir de septembre 2016, lors d'une jam. Alors une jam, c'est le rendez-vous du musicien. Une scène, un lieu, tu viens avec ton instrument de musique et puis tu vas partager, jouer avec d'autres musiciens que tu ne connais pas forcément. En fait, c'est le lieu typique pour faire des connexions. Et ce soir-là, quand j'entends David... Il y a des choses qui se passent d'explication. En réalité, il y a eu un lien très fort entre nous, une sorte d'interaction inexplicable. J'ai senti que musicalement, on fusionnait, que nos instruments de musique se captaient, une sorte d'alchimie, comme si nous avions joué des milliers de fois ensemble. Et puis nous avons commencé à discuter. Et nous nous sommes rendus compte que, indépendamment l'un de l'autre, Noémie et moi avions choisi de sortir de nos sentiers battus. Les flûtes amérindiennes que Noémie joue sont depuis plus de 4000 ans utilisées dans des cérémonies et des rituels des peuples premiers d'Amérique. Noémie les a extraites de leur milieu d'origine, afin de les proposer aux musiques du globe. Alors bien sûr, des musiques allant de la musique zen au zouk. Tandis que le Chapman Stick, l'instrument que David utilise, lui est un instrument très très rare et d'autant plus moderne puisqu'il a été créé en 1969 en Californie. Alors notre duo plutôt atypique et très différent, aux yeux de l'industrie musicale, il rentre dans aucune case. Moi, je dirais que le duo Evayana rentre dans la case des incasables. Mais peu importe, en fait. Parce que nous sommes ce que nous sommes, nous composons avec ce que nous sommes et nous proposons ce que nous sommes. La somme de deux univers distincts et pourtant complémentaires. Et nous voyons qu'en cultivant nos différences, nous nous rendons compte qu'elles nous apprennent énormément sur nous-mêmes. Et lorsque nous les mettons en commun, ces mêmes différences deviennent nos forces. Alors, merci. Merci à la vie de nous faire chacun différent. Parce qu'en passant par cette expérience, eh bien pour nous, on se rend compte que cette ouverture vers le monde, cette ouverture vers l'autre, eh bien c'est un des chemins qui mènera vers un meilleur avenir.
nous prendra du temps, car nous sommes différents. Mais j'ai le sentiment que le meilleur reste à venir. Toi qui suis le fond de ton cœur, malgré les doutes, malgré les peurs, agissant avec ferveur. À toi qui vis comme un semeur d'espoir, d'amour et de valeur, en inspirant le meilleur. Pose ta pierre à ta manière sur l'édifice du monde. Aucune trêve pour tes rêves, file chaque seconde. Mais si la route est longue et qu'au fond nos cœurs bondent, rêve d'un nouveau monde, le meilleur est à venir. Ça nous prendra du temps, car nous sommes différents. Mais j'ai le sentiment que le meilleur reste à venir. La peur d'un échec annoncé, croire qu'on ne peut pas y arriver, sont les deux plus grands fléaux qui nous empêchent d'avancer. Et on aura beau lutter, si on le danse c'est la fatalité, on finit par céder à la rivalité, et tous nos espoirs sont partis en fumée. Mais si chacun cultive son authenticité, il y aura assez de place pour exister. Pour les utopistes, t'es les jamais contents. Moins de polémiques et bien plus de conscience. Une bonne vibration fait qu'on va de l'avant. Que le meilleur reste à venir, même si la route est longue.